Dans cette capsule, je vais vous parler des approches qu'on utilise pour déterminer qu'un trait est une adaptation. Comme biologiste, on entend souvent le mot « adaptation ». On entend parler qu'un trait est une adaptation. Mais en fait, comment on fait pour savoir qu'un trait est vraiment une adaptation? Quel genre d'études il faut faire? Mais premièrement, il faut se rappeler de la définition d'une adaptation. C'est un phénotype qui améliore la survie ou la reproduction de l'organisme relativement aux valeurs alternatives de ce trait dans un environnement donné. Pourquoi j'ai mis la définition en plusieurs couleurs? C'est parce que pour tester qu'un trait est une adaptation, il faut justement tenir compte de ces parties-là de la définition. Est-ce qu'il y a un effet sur la survie ou la reproduction? Est-ce que ce trait-là donne une meilleure survie par rapport aux autres valeurs du trait? Est-ce que ce trait-là a un effet positif sur la survie ou la reproduction, sur le fitness, dans cet environnement-là? Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. Il y a trois approches pour déterminer qu'un trait est une adaptation. Les deux premières utilisent des observations et nous permettent d'émettre des hypothèses, l'hypothèse que le trait est une adaptation, et la troisième approche nous permet de tester que le trait est une adaptation. Les deux premières sont les observations en nature et l'histoire évolutive d'un trait, et la troisième approche est d'utiliser des méthodes expérimentales. Dans cette capsule, on va voir les deux premières. La première approche, c'est d'utiliser les observations en nature. Par exemple, une biologiste pourrait remarquer qu'une plante a des caractéristiques particulières dans la forme de ses feuilles, la présence de stomates, etc., selon cet environnement-là en particulier. Donc, à partir de cette observation-là, on peut émettre une hypothèse, par exemple, peut-être que ces différences-là, physiologiques puis morphologiques, ce sont des adaptations à cet environnement-là. Et après ça, il faut utiliser d'autres approches pour on émet des prédictions, à partir de notre hypothèse, découlent des prédictions. Par exemple, si c'est vrai que c'est une adaptation, si on fait ça, on devrait observer ça. Ça veut dire qu'il va falloir faire des manipulations expérimentales pour vraiment tester nos prédictions. Mais la première chose, ça commence avec une observation en nature. Il y a un autre type d'observation en nature où la biologiste va remarquer qu'il y a des différences de phénotypes entre les individus et que ces différences de phénotypes-là ont l'air d'être associées à des différences de performance et de fitness, comme par exemple de survie. On a notre exemple ici où on a une population de souris où il y a des variations phénotypiques. Certains individus sont plus foncés, d'autres individus sont plus pâles. Et ces individus-là utilisent un nouvel environnement qui est un substrat très foncé. Donc, par exemple, de la roche volcanique. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a de la prédation sur les individus. Certaines souris sont mangées par des rapaces et d'autres non. Et on peut remarquer que les individus qui survivent le mieux ont certaines caractéristiques particulières, comme ici, toutes les souris foncées ont survécu. Elles étaient en petit nombre, mais c'est elles maintenant qui sont là, qui ont survécu, qui vont pouvoir se reproduire, alors que les souris plus pâles ont été mangées en plus grande proportion. Évidemment, une fois qu'on a fait cette observation-là, mais maintenant, il faut déterminer c'est quoi le lien entre ce phénotype-là puis la meilleure survie. C'est quoi la fonction du trait qui va affecter la survie ou la reproduction. Un autre type d'observation, ça serait d'utiliser l'histoire évolutive d'un trait. Par exemple, on observe que certains individus dans un environnement donné ont des traits particuliers. On a vu tout à l'heure notre plante qui avait une forme particulière dans un environnement désertique où il n'y a pas beaucoup d'eau disponible. Et on réalise que c'est dans cet environnement-là possiblement que le trait a évolué. Ça nous suggère peut-être que c'est une adaptation face aux défis de cet environnement-là. Mais pour pouvoir déterminer si effectivement ce trait-là a évolué dans cet environnement-là en réponse à une force de sélection naturelle, il faut connaître la valeur du trait, de quoi ce trait-là avait l'air dans les ancêtres. À ce moment-là, on utilise l'histoire évolutive du trait. Ici, on a un arbre phylogénétique de poissons, des poissons à rayons, qui montre l'évolution des organes électrosensoriels. On voit sur l'échelle en bas qu'on parle de millions d'années. Donc, à chaque fois qu'on a les petites ampoules vertes ou l'icône rose ou le signe d'éclair, on a l'évolution de différents types d'électrorécepteurs et même de l'électrogenèse, donc de la production d'électricité. Et on voit qu'au début de l'évolution des vertébrés, tous les vertébrés l'ancêtre avait des électrorécepteurs de type qu'on appelle ampullaire. Le type particulier n'est pas important, mais c'est de voir qu'au fil
de l'évolution, il y a des grands groupes qui ont perdu cette capacité-là d'électroréception, incluant, malheureusement pour nous, les mammifères. On n'a pas d'électroréception, en tout cas pas dans les humains. Et il y a plein de groupes où il y a eu évolution d'un autre type d'électrorécepteur, qu'on voit ces petites icônes en rose, et même d'électrogenèse. Et vous voyez que c'est apparu plus d'une fois durant l'évolution. Donc ça, ça nous suggère que dans des conditions particulières d'environnement de ces groupes-là, il y avait un défi particulier auquel que la sélection naturelle a mené à l'évolution de ces adaptations-là. On va supposer que l'électroréception puis l'électrogenèse, ce sont des adaptations. Mais maintenant, on peut émettre une hypothèse grâce à notre arbre phylogénétique et à l'histoire évolutive du trait, qui est un type d'observation, et on va devoir faire des manipulations expérimentales pour tester les prédictions qui découlent de ces hypothèses-là. C'est intéressant cet exemple-là des poissons qui ont des électrorécepteurs et qui produisent de l'électricité, par exemple pour la communication ou pour la capture de proies, pour différentes raisons, c'est que c'est apparu plusieurs fois durant l'évolution dans des groupes où l'ancêtre n'avait pas ce trait-là. Et ça, ça s'appelle l'évolution convergente, quand il y a évolution indépendante d'un trait dans deux taxons ou plus et que leur ancêtre n'avait pas ce trait-là. Et ça, c'est une preuve, si on veut, une observation qu'on utilise fréquemment pour déterminer, supposer, émettre l'hypothèse que ce trait-là, c'est une adaptation parce qu'il est arrivé, il est apparu plusieurs fois dans des conditions environnementales similaires. Parfois, lorsqu'on étudie l'histoire évolutive d'un trait, on se rend compte de complètement le contraire. C'est qu'on a de l'évolution divergente d'un trait chez des espèces qui sont proches évolutivement, mais qui font face à des défis de l'environnement différents et qui vont diverger dans leur trait. Leurs phénotypes ne seront plus les mêmes parce qu'ils font face à des défis différents dans des environnements différents. Ici, on a des exemples extrêmes où on a trois représentants du genre Vulpus, donc qui sont quand même assez proches, sont dans le même genre, qui ont des caractéristiques comme par exemple la taille de leurs membres qui sont variables et qui font face à des défis de l'environnement, par exemple thermique, très différents. Bon. On a fait des observations, soit des observations en nature directement ou en utilisant des arbres phylogénétiques en déterminant si le trait qui est présent dans une espèce qui nous intéresse était présent dans son ancêtre, donc connaître son histoire évolutive. Et maintenant qu'on a fait ces observations-là, on émet l'hypothèse que le trait est une adaptation. Mais est-ce qu'on a testé que c'était vraiment une adaptation? Non. Il faut maintenant faire des manipulations expérimentales. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule.